Das ist der Nicolas Price Mumi Ngabaleu, wie er mit vollem Namen heisst. Ein Name, der kaum ganz Platz hat auf dem Eibeliebli. Darum haben wir den Kameruner auch gerade als erstes Mal um Aufklärung gebeten bezüglich seiner diversen Namen. J'ai deux prénoms et j'ai deux noms de famille. Les deux prénoms sind Nicolas Price et les deux noms de famille sind Mumi Ngabaleu. Ende August ist der 23-Jährige vom österreichischen Bundesligist SCR Altach zu Eibe gestossen. In Vorarlberg konnte er sich bereits das erste Mal vertraut machen mit der deutschsprachigen Kultur. Und auch sportlich ist es ihm gut gelaufen. In insgesamt 37 Einsätzen hat er 11 Scorerpunkte gesammelt. Eine Umstellung war es aber trotzdem noch, als er auf Bern kam. Ja, es ist ein Changement. Es ist ein Changement, que ça soit dans le niveau, que ça soit dans le jeu, que ça soit avec les coéquipiers. En Autriche, ça parlait que allemand. Donc, du coup, je parlais aussi allemand, en fait. Et ici, ça parle français, ça parle allemand, ça rigole, c'est bien. Et de voir aussi des frères africains, bon, bref, tout le monde s'entend tous bien, on s'entend tous bien, en fait. Ah, mes mots préférés en allemand, peut-être je vais dire je liebe Essen. Torhungrig hat sich der Kameruner dann auch auf dem Schubplatz gezeigt. Gerade in seinem ersten Superliga-Einsatz konnte er Assist verbuchen und im zweiten hat er gerade selber getroffen. Ein Einstand nach Mass. Für mich war es ein guter Debüt. Ce début ne devait pas être bien si j'avais pas la participation de tous mes coéquipiers. Ça a été bien en fonction de mes coéquipiers. Ils m'ont aidé à faire une bonne entame dans le championnat suisse. Mes points forts sur la pelouse, je suis rapide, avec ballon et sans ballon. Et je travaille pour les autres, je travaille pour moi aussi. Mais le plus important, c'est de travailler pour l'équipe. Mittlerweile fühlt sich der 12-fache Nationalspieler in Bern schon richtig wohl. Besonders die Sprache hat ihm angetan, obwohl ja hier auch viele selber Französisch können. Ich bin surpris de le voir vraiment parler français, parce que c'est pas, j'ai pas vu ça en Autriche, des gens qui parlent français, j'ai pas vu ça. Les chats en Suisse, des Benoît qui veulent parler français et qui parlent français, vraiment pour moi c'est quelque chose de bien. Ça me pousse aussi à vouloir parler allemand. Pourquoi pas Benoît aussi?